je cherchais un métier où il y ait beaucoup de relations humaines et en même temps un métier où le service public est important avec la notion de servir et en même temps le port d'uniforme. Et la police municipale correspondait beaucoup à ces valeurs. Donc j'ai passé le concours et eu la chance de travailler dans ce corps de métier. En général, ça s'est bien passé avec mes collègues. Au départ, j'étais souvent la seule femme et en général, ça se passait bien. J'avais plus des problèmes au niveau de la population, des citoyens, où ils voulaient s'adresser à un policier et ils associaient un policier plutôt à un homme. Là, il y a une grosse évolution maintenant, parce qu'il y a de plus en plus de femmes dans la police nationale, à la police municipale, chez les pompiers. Et la population, les citoyens, s'adressent facilement à une policière. Donc il y a une évolution dans les mentalités. Je trouve que les femmes maintenant ont plus des postes à responsabilité. Elles sont plus carriéristes, elles sont pas comme à une époque où elles restaient plutôt femmes au foyer ou à la maison. Maintenant, elles cherchent à avoir une évolution de carrière. Et je trouve aussi qu'il y a de plus en plus de métiers qui étaient plutôt masculins, qui s'ouvrent justement aux femmes. On voit maintenant des femmes chez les policiers, même au niveau des CRS, au niveau des sapeurs-pompiers, puisqu'il y en a même à Paris. Donc pour moi, il y a une évolution des mentalités dans l'évolution homme-femme. Alors, il y a eu des sacrées évolutions, comme j'ai dit dans la question précédente. Par contre, les salaires à responsabilité égale, il y a encore de la marge. Il faudrait que les femmes aient le même salaire à responsabilité égale par rapport aux hommes. Donc, il y a un travail à faire de ce côté-là. C'était pour annoncer la fin de patrouille sur le secteur des Vernes pour le marché. Et donc pour l'annoncer aussi aux CSU en direct. Sportif et puis après, on fait un petit foot tournoi ou si vous avez deux équipes, on peut faire ça comme ça. Allez, ok, ça marche. Allez, on y va. Je crois que j'ai eu de bons antécédents familiaux par rapport à la place de la femme dans la société. Ma mère et ma grand-mère étaient des femmes qui vivaient leur vie en assumant leurs choix. Et je pense que ça m'a aidée aussi pour me construire et tracer mon chemin quelque part. Les mains derrière la tête, on range le bas du ventre. 1, 2, 3, 4 à droite. 1, 2, 3, 4 à gauche. Allez, on étire bien le dos, tu rentres le bas du ventre. Je pense que le sport féminin, ça aide aussi à l'intégration de la femme. Moi, j'assiste souvent à des matchs de foot féminin. D'ailleurs, on est souvent obligé de préciser que c'est du foot féminin. Et souvent, les femmes essaient de revendiquer, d'appeler ça le foot tout court. Et le basket aussi, j'assiste à des matchs avec les équipes féminines. Et je pense que c'est important que les femmes arrivent à s'engager dans ces clubs sportifs pour faire voir qu'elles sont capables aussi d'amener du monde dans les clubs, dans les matchs, etc. Je ne sais pas si je peux faire progresser l'égalité homme-femme, mais en tout cas, j'essaye d'être intègre à travers mon travail, mes engagements et mes passions. C'est vrai que j'ai un travail avec des collègues qui sont essentiellement masculins, et j'ai la chance de ne pas avoir ce ressenti d'inégalité parce qu'ils sont très compréhensifs et ils sont plutôt protecteurs envers moi. Donc je pense que je suis dans un bon cadre, le cadre sportif, où il est vu d'une bonne manière. Parce que c'est grâce aussi par de petits actes qu'on arrive à faire évoluer les choses. Et je préfère avoir dans l'idée de fonctionner avec un petit peu de douceur pour faire passer nos idées et nos forces finalement. Après, il faut reconnaître aussi les choses. Un homme va avoir une force physique plus importante qu'une femme et parfois une femme va avoir une force mentale qui est plus importante qu'un homme. Et l'idéal, c'est qu'on soit homme et femme complémentaires. Allez, à nous. Alors,
Pour répondre à ta question, bien sûr qu'il y a eu une grosse évolution par rapport à nos statuts de femmes. Alors surtout moi, parce que je suis issue d'une génération de femmes d'immigrés. La grande différence, c'est l'indépendance financière, familiale et tout qu'on a par le travail, que peut-être nos mères n'avaient pas, puisqu'elles élevaient, elles avaient beaucoup d'enfants en plus. Donc ça, c'est vraiment une grande liberté, et c'est surtout une grande avancée pour nous, surtout nous les femmes issues de l'immigration. Je dis issues de l'immigration parce que je suis quand même née ici en France, et notamment à Givors. Voilà. Aussi, une remarque perso. Dans le monde des bibliothèques, quand j'ai démarré, justement, il n'y avait pas, dans la fonction publique, on n'était pas très nombreuses dans les bibliothèques, justement, issues de l'immigration. Et quand j'allais en formation, je voyais très peu de femmes de ma génération qui avaient réussi à avoir des postes. Ça aussi, ça a été nouveau. Parce qu'après, on a eu, nous, la nationalité française, on pouvait rentrer dans la fonction publique. Et on avait fait des études pour ça. Donc ça aussi, c'est un peu révolutionné notre statut de femme. Voilà un petit peu ce que j'ai à dire. Alors, je ne suis pas une militante féministe, justement. Je ne suis pas vraiment une militante féministe. Mais c'est vrai qu'à travers, les lectures, à travers la culture, on s'ouvre énormément et on voit tous les combats que peuvent mener les femmes, puisqu'on prend connaissance de tous ces livres qui sont écrits, de tous ces articles, de toute l'actualité. Donc oui, l'évolution, elle est là, elle est en marche, mais elle sera permanente, en fait. Pour répondre à ta question sur la présentation d'un livre, ce qui est normal dans mon domaine, normalement c'est la jeunesse, mais là c'est des livres adultes que je te présente. C'est deux trilogies que je te présente de Marek Alter. Deux trilogies où j'ai eu vraiment un coup de cœur. La première, c'est la Bible au féminin, dont il y a Sarah, il y a Tzipora et il y a Lila. Et la deuxième trilogie, c'est les femmes de l'islam, c'est Khadija, Fatima et Aïcha. Chacune de ces femmes, c'est vraiment des féministes. Parce que ce n'est pas un livre, ce n'est pas des récits avec une théologie ou de la religion, c'est vraiment du roman, mais c'est très bien documenté, et vraiment, il a su montrer toute la force de ces femmes et toute leur capacité à faire prendre des décisions aux hommes. Et c'est vraiment des livres que je recommande, parce qu'on rentre dans l'histoire, on rentre dans leur vie. Et vraiment, il a su faire ça avec un savoir-faire. Et puis j'adore en plus cet auteur. Donc je vous les recommande, ces deux trilogies qui sont disponibles à la bibliothèque. Ça va. Ça y est. Et toi? T'es déjà en place? Ouais. Ça s'est bien passé? Oui. Ouais. Alors, oui, maman a vu deux guerres avec la restriction et la peur. À l'époque, des tâches ménagères et l'éducation des enfants étaient assumées à 100% par les femmes. À l'époque, travailler, avoir un compte en banque, même faire une carte d'identité, en plus porter le pantalon, il fallait avoir la permission du mari. Alors, ma mère n'a pu voter qu'en 1944, et je peux dire qu'en plus du vote, les avancées des tâches ménagères et de l'entretien des foyers peuvent paraître comme une légère révolution. Pour ma part, comme beaucoup de femmes dans les années 50-60, c'est surtout le travail qui nous a émancipées. L'engagement des femmes dans l'organisation syndicale et ou politique ont permis de faire avancer les mentalités des hommes sur la capacité des femmes d'être autre chose qu'une femme au foyer. Les différences de salaire étaient très importantes. Par contre, les tâches à la maison n'étaient pas 50%, mais il y a eu un mieux. J'espère que cette évolution de la vie permettrait de régulariser les
égalité sociale. Malheureusement, aujourd'hui, j'ai l'impression de voir la vie des jeunes femmes régresser. C'est elles qui subissent le plus le temps de partiel, c'est elles qui subissent le plus le chômage, c'est elles qui ont les retenues sur les retraites pour les périodes de grossesse, c'est elles qui ont toujours un retard d'environ 20% sur leur salaire, c'est elles qui majoritairement s'absentent si les enfants sont malades. Sans tenir compte des absences pour maternité, la loi doit punir les entreprises qui ne pratiquent pas cette égalité de traitement. Création de crèches d'entreprises où les entreprises doivent participer à la construction de crèches municipales à hauteur du nombre de salariés et prise en charge des comptes et prise en compte des frais. Organiser les horaires de travail des salariés en fonction de sa vie de famille. Cette mesure doit s'appliquer aussi bien au papa qu'aux mamans. Il faut aussi que les femmes, même si cela est compliqué, prennent leur place dans la vie publique, si nous voulons avoir un vrai changement pour nos petites filles. Allez, allez, qui c'est qui a pas son humain? C'est la dernière. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Allez, allez. À l'époque de ma maman et encore plus de ma grand-mère, c'était les tâches ménagères et s'occuper des enfants. Il n'y avait pas de, on parlait pas d'égalité. C'était tout simplement la femme au foyer. À mon époque, l'égalité homme-femme était moins perçue. De nos jours, on peut constater une amélioration dans les couples, ainsi que les postes à haute responsabilité proposés aux femmes. Voilà, comme ingénieur, médecin. Je n'ai pas eu de difficulté à m'imposer dans ce monde très masculin, dû à mon caractère très fort. Mes expériences professionnelles sont venues après, avec le temps, mais voilà, ma passion pour mon métier, très déterminée face aux obstacles, et altruiste, ce qui m'aide dans la vie et au niveau de ma profession. J'ai constaté que le monde de la cuisine s'est ouvert aux femmes ces 30 dernières années. J'ai une petite idée, une meilleure reconnaissance de la femme au travail et surtout un salaire équitable. La femme dans la société a vraiment changé au cours du siècle dernier. Et mon exemple n'est pas trop mauvais parce que ma grand-mère n'a pas fait d'études. Elle s'est donnée vraiment corps et âme pour l'éducation de sa famille, pour le métier de son mari. Maman a fait des études assez longues et puis a vite arrêté de travailler pour élever sa famille nombreuse. Et puis a repris le travail une fois que tous les enfants étaient grands. Et puis voilà, moi j'ai fait des études assez longues pour être médecin et je me suis mariée un peu tardivement et voilà, mais je suis heureuse de pouvoir prendre cette place en tant que médecin dans la société et puis aujourd'hui en tant que femme dans mon couple. J'ai pas tellement eu de difficulté à trouver ma place en tant que femme dans le monde de la santé parce que c'est un métier qui est quand même très relationnel et où je m'épanouis dans la relation avec les personnes. C'est un métier qui devient de plus en plus féminin parce que quand je suis arrivée à ma première année de médecine, il y avait 60% de femmes. Aujourd'hui, il y a 75% de femmes en première année de médecine. Donc c'est un métier qui est vraiment qui devient de plus en plus féminin et du coup qui doit s'adapter à l'hôpital pour de nouveaux modes de travail ou prendre en compte la volonté des femmes
d'avoir une activité professionnelle épanouissante, riche, et aussi de pouvoir avoir du temps pour se donner à leur famille, à leur et donc c'est, je pense que c'est l'hôpital, la santé en général est en train de muter un petit peu effectivement pour avoir de nouveaux modes d'exercice et des exercices plus adaptés pour des femmes qui veulent une unité, une plus grande unité entre la vie de famille et la vie professionnelle. La prise en compte de la santé chez la femme, elle a changé ces dernières années parce qu'en cardiologie, on voit que la maladie cardiovasculaire a plutôt tendance à diminuer chez l'homme et elle a tendance à stagner chez la femme. Mais avec les facteurs de risque, le tabagisme, le manque d'activité physique, le diabète, on voit que les femmes pâtissent d'autant plus de ces facteurs de risque. La communauté cardiologique en France est en train de prendre en considération. On voit que les symptômes de l'infarctus chez la femme ne sont pas les mêmes que chez les hommes. Et on prend plus en considération cette différence, cette spécificité. Et ici, justement, à Givors, on agit dans le sens de la prévention parce qu'on va monter à l'hôpital un club cœur et santé, ça s'appelle. C'est porté par la Fédération française de cardiologie. Et c'est quand les gens ont fait un infarctus, un épisode d'insuffisance cardiaque, on sait que l'activité physique est vraiment un pilier de leur guérison et de leur bonne santé cardiovasculaire. Et ils font parfois de la rééducation assez intensive dans des centres de rééducation qui sont dédiés. Mais une fois que cette rééducation, au bout des 3 mois, que cette rééducation est terminée, ils finissent par arrêter toute activité physique et ils perdent tout le bénéfice de cette rééducation. Et ce club Cœur et Santé a pour but de promouvoir l'activité physique et qu'ils puissent continuer à rester dans ce mouvement en diminuant les facteurs de risque avec une meilleure alimentation, une meilleure hygiène de vie, ce qui aussi améliore la santé mentale, morale. Et donc ici, un groupe viendra une fois par semaine pour faire l'activité physique. Et donc tout ça va dans le sens de la prévention pour les femmes, évidemment, mais aussi pour les hommes. Cette année, je prends des cours de chant. On dit qu'il y fait toujours beau. C'est là que migrent les oiseaux. Ça participe beaucoup à mon épanouissement personnel, l'épanouissement de mes talents. Et ce qui me plaît beaucoup, parce que c'est vrai que les femmes, je crois, aujourd'hui ont besoin de s'épanouir dans tous les sens du terme, dans la vie familiale, dans la vie professionnelle qui est importante, et dans la vie aussi, dans le développement de leurs talents, de tout ce qu'elles sont. Pour avancer dans l'égalité homme-femme, moi je crois beaucoup en la collaboration entre les hommes et les femmes, et que le féminisme n'aboutira à quelque chose de fécond que s'il marchera main dans la main avec les hommes. Et parce que les hommes ont besoin des femmes, et les femmes portent les hommes. Et donc plutôt de construire des murs en voulant battre, avoir des droits et contre les hommes, plutôt vraiment collaborer et profiter des richesses des uns et des autres, parce qu'on n'a pas les mêmes qualités, on n'a pas les mêmes richesses, les mêmes faiblesses aussi. Prendre en considération les forces et les faiblesses de chacun pour avancer les uns avec les autres. Et une petite idée, je ne sais pas, c'est peut-être avancer dans une meilleure compréhension de la psychologie homme et femme qui est différente. Et bien sûr, on a tous du féminin et du masculin en nous, et donc on ne peut pas être caricatural, mais peut-être que mieux comprendre pourquoi les réactions des uns et des autres, c'est quand même la féminité et la masculinité est quand même un angle de lecture important. Et je pense qu'une meilleure compréhension des uns et des autres pourrait faire avancer l'égalité ou l'équité homme-femme. Alors moi, pour l'égalité pour les femmes, c'est vrai qu'il y a du mieux, mais ce n'est pas ça encore, ce n'est pas ça à 100%, ne serait-ce que pour les salaires et pour travailler à la maison.
parce que le mari, lui, se met bien à table, mais il cuisine pas. Tout ce qui est ménage, il connaît pas. Tout ce qui est repassage, il connaît pas non plus. Donc l'égalité des femmes n'est pas encore... parce que moi, j'estime que le mari, il devrait aussi cuisiner, aussi repasser, aussi faire le ménage. Et moi, j'apprécie parce que les jeunes papas s'occupent des bébés. Que moi, mon mari, il n'a jamais touché un gamin. C'est quand même mieux. Pour les jeunes couples, parce qu'ils travaillent quand même tous les deux, donc ils ont besoin de s'aider mutuellement, hein. C'est tout à fait logique. Hein. Mais de mon temps à moi, moi j'ai eu 6 enfants en 7 ans, à 20 ans premier, à 27 ans sixième, parce que vous vous rendez compte, hein, 6 ans de suite enceinte, plus une gamine handicapée, débile mentale à 100%, que j'élève. Donc c'est pas toujours marrant, c'est pas toujours la joie à la maison. Je pense que on n'est pas suffisamment considéré. On est quand même en dessous du bonhomme. Chose qui n'est pas normale. Ne serait-ce que pour les salaires. Donc on est en dessous de ces beaux messieurs. Qui eux ont tous les droits. Que nous on n'a pas. Je ne pense pas qu'on y arrive dans peu de temps. Il faudra encore que les mentalités changent. Parce qu'un homme est toujours mature et il le restera le restant de sa vie. Hein. Moi, c'est moi et la bonne femme, elle est. Tu lui fais ce qu'on te demande, quoi la ligne. Donc pour changer les mentalités, ça sera très long. Je le souhaite, je le souhaite. Et encore, ça a déjà changé parce que quand même, la femme, elle peut avoir la parole dans le ménage. Mais moi, de mon temps, non. C'est tu fais le boulot et tu te tais. Ça quand même, j'ai des petites filles qui sont en couple, tu fais ça, il marche. Tintin, une femme, on parle de certains droits, ce qui n'est pas normal. Hein. Toujours, les enfants, et on en a un peu ras-le-bol. Donc on voudrait bien, nous aussi, changer, enfin, être plus libre. Moi, j'ai jamais été libre de ma vie, je ne sais pas ce que c'est que la liberté, parce qu'il y avait toujours quelque chose à faire. Maintenant, les jeunes couples sont plus libres. Ils vont au cinéma, ils vont au théâtre, on refile le gosse à la belle-mère, et que nous, de mon temps, ça n'existait pas. Donc il y a ça déjà, c'est déjà une avancée ça. Alors déjà, pas sortir l'un sans l'autre, parce que je ne suis pas d'accord non plus. Je pars 3 jours avec une copine, mais tu restes à la maison, non. Un couple, c'est un couple, il doit être couple toute sa vie. Nous, on n'est jamais, on n'a jamais, à part les hôpitaux, les trucs comme malades, on a toujours été tous les deux, on s'est toujours battus tous les deux, et puis ça continuera jusqu'à la mort, ça c'est sûr. Moi, ma maman, je l'ai perdue, j'avais 12 ans, donc j'ai pas trop vécu cette période de femme, j'étais trop jeune pour comprendre ce qui se passait. Pour ma grand-mère, oui, enfin, si je compare à ma grand-mère paternelle, il y a une grosse évolution, je trouve, en tout cas en termes de liberté et toutes ces choses-là. Je pense que c'est dû à l'éducation aussi. Enfin, moi, ma grand-mère, elle sort pas de chez elle, elle fait à manger, elle fait les courses, voilà, elle n'était pas éduquée comme on peut l'être au jour d'aujourd'hui. Après, au niveau des droits des femmes, il y a une évolution. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'évolution si on remonte très longtemps en arrière. Mais à mon sens, enfin, elle n'est pas assez développée, quoi. Surtout, enfin, en tant que femme, je me sens libre au jour d'aujourd'hui. Hein, je n'ai pas de restrictions, toutes ces choses-là. Mais plus en tant que maman, par exemple. Vous voyez, quand on a des enfants, pour trouver du travail, les droits qu'on peut avoir pour retrouver du travail, c'est compliqué, je trouve, au jour d'aujourd'hui. En tout cas, moi, j'ai été dans cette situation et je trouve que c'est compliqué.
Oui, c'est ma première participation à une course solidaire et humanitaire. Et pourquoi ? Alors en fait, je cours avec deux amies depuis maintenant 2 ans, deux amies femmes, parce que c'est plus sympa pour courir pour papoter. Et l'année dernière, on a fait le semi du Running Lyon. Et à la fin du semi, comme je suis un petit peu folle dans ma tête, je leur ai dit, allez, l'année prochaine, on fait le raid des Alizés. Bon, ça n'a pas été l'emballement général au début. Et du coup, c'est le mari de l'une de nous trois qui nous a préinscrites. Donc du coup, on n'avait plus trop le choix. Mais ouais, 100% féminine parce que voilà, c'est le côté aventure, faire ça entre femmes. On va rencontrer d'autres femmes de toute la France. C'est un moment qu'on partagera tout ensemble, même si on sera les unes contre les autres. Mais ouais, puis entre femmes, on se sentira aussi plus à l'aise, je pense, de faire une course comme celle-ci. Et du coup, on a choisi de faire une épreuve comme celle-ci aussi parce qu'on représente une association. Et l'association qu'on a choisie, c'est l'association Courir, qui représente les enfants atteints d'arthrite juvénile idiopathique. Alors on a choisi cette association parce que ma fille de 3 ans souffre de cette maladie, qui est une maladie rare. Donc du coup, c'était aussi pour moi, en tant que maman, pouvoir me battre d'une façon un petit peu différente et singulière pour ma fille, pour que la maladie soit reconnue et connue, et pouvoir faire connaître l'association pour essayer de gagner des fonds, puisque toutes les participantes du raid, peu importe leur classement, récupéreront une somme d'argent. Donc du coup, on est sûr de pouvoir donner de l'argent à l'association. Après, la somme, on verra à notre classement au moment de la course. Et puis voilà, c'est aussi de faire connaître l'association et de pouvoir la faire médiatiser, peut-être un peu parce qu'il y a beaucoup d'autres associations qui sont plus connues et du coup cachent un petit peu d'autres associations comme celle-ci. Et voilà, c'est une maladie qui n'est pas facile à vivre au quotidien, qui touche toutes les articulations du corps. Moi, ma fille, elle en a à la cheville et au genou. Il y a des jours où elle ne peut pas marcher, des jours où elle gambade. C'est un traitement toutes les semaines, c'est de la kiné toutes les semaines, c'est un suivi médical, voilà. Donc moi, en tant que maman, forcément, ben, je me sens impliquée puisque c'est ma fille qui souffre de cette maladie. J'ai souvent, même la plupart du temps, travaillé dans des entreprises qui étaient dirigées par des femmes. Donc voilà, ça existe. Mais c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, au niveau du droit des femmes quand on travaille et quand on est maman, parce que pour moi, la différence est vraiment jouée au moment où je suis devenue mère, c'est plus compliqué. Parce que quand on arrive à un âge, quand on est une femme, qu'on a 25, 30 ans, la question, même si elle ne doit pas être posée en entretien, ben, elle est posée quand même. Est-ce que vous avez des enfants ? Est-ce que vous allez en avoir ? Voilà. Le retour au travail est difficile aussi, parce que même s'il existe beaucoup de choses en France au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a, enfin, au niveau des indemnités, c'est pas toujours super égal par rapport aux hommes. Enfin, moi, par exemple, la question, elle ne s'est pas posée. Je gagne moins que mon mari, je n'allais pas retourner au travail, sachant que lui gagne plus que moi. Voilà, donc je pense que c'est plus dans ce sens-là où il faut encore améliorer les choses. Après, au quotidien, enfin, moi, j'ai été éduquée, enfin, mon papa, il m'a toujours dit, faut que tu sois indépendante, faut que tu fasses ce que tu veux de ta vie. Donc voilà, c'est ce que je fais, c'est ce que je vais inculquer à mes filles. Mais c'est vrai qu'au quotidien, il y a encore des problèmes. Enfin, moi, quand j'avais 18 ans, quand je sortais dans la rue en jupe, quand j'avais pas pris du poids à cause de mes grossesses, on mettait une jupe un peu courte, même pas une mini-jupe, il y avait des insultes. Enfin, c'est dans ce sens-là où je pense que c'est les mentalités qui doivent avancer. Voilà. Après, aussi au niveau du stéréotype qu'on se fait de la femme, quoi. La femme, elle doit faire du 36, elle doit être comme ci, comme ça. Ben non, une femme, c'est pas ça, quoi. Une femme, c'est quelqu'un qui donne la vie, qui pendant 9 mois prend du poids. Et une femme, c'est aussi ça. Et on n'est pas tout obligé d'être toute pareille. Et une femme, ben, qu'elle soit petite, grande, mince, grosse, c'est une femme, quoi. Des idées ? Bah, comme ça, non, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais quand je vois dans certains pays la situation des femmes, des fois les questions se posent sur l'avortement, pas l'avortement. Alors après, je suis pas là pour dire si c'est bien ou pas bien. Mais quand on voit qu'il y a des jeunes filles qui, des fois, ça arrive. Pour moi, c'est régressé, quoi. On devrait même plus avoir ce discours-là, alors qu'il y a des femmes qui se sont battues pour qu'on en arrive là aujourd'hui. On a eu le droit de vote il n'y a pas si longtemps que ça au bout du compte. Et au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas la sensation qu'on soit très représenté dans la vie politique aussi. Bon, nous, à Givors, on a de la chance, on a une femme. Mais ouais, j'ai encore. Je pense qu'on peut encore aller plus loin. Et je pense que ça passe par l'éducation, par les mentalités, peut-être aussi par l'école. Peut-être qu'il faut aussi que le système scolaire mette un petit peu plus en avant aussi les femmes. Et puis peut-être aussi arrêter de dire une femme doit faire ça, un homme doit faire ça.
Moi, mes filles, ma fille de 3 ans, pendant 2 ans, elle a joué avec des camions, quoi. Elle joue avec des camions. Je connais quelqu'un, son fils, il veut faire de la danse classique, bah, fait de la danse classique, quoi. Je pense qu'il faut briser tout ça et se dire, fais ce que tu veux, quoi. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, du moment que ça embête pas l'autre et les libertés de l'autre, voilà, quoi. Mais ouais, on peut encore aller plus loin. J'espère qu'on ira plus loin. J'espère que mes filles, elles poseront plus toutes ces questions et que la journée de la femme, ça sera autre chose. Plus se battre pour les égalités, inégalités, voilà, juste passer un moment entre femmes, quoi.